Ok, on est parti dans cette première game contre Saxcast. Ok. Les chaussures de cochon très agressifs dès le début. Ça peut être 2.6, ça peut être cochon séisme. Oh. Ok, partir mineur sapeur du côté du squelette qui est seul. Ok, il a un collier. Collier chevalier. Il a peut-être une bûche aussi. Hein. C'est... Ouais, je sais pas, ça peut être avec graines comme avec artificière. Ok, c'est avec artificière, ça va être une version très cycle. Okay, on va défendre ça tranquillement. Oh non, l'artificière qui a tué les gobelins. Et les archers. Ok, ouais, on prend cher. Ok, ok. Ça va pas être simple, surtout s'il a colis plus bûche. Ok, on va voir ce qu'il fait là. Il va peut-être repartir dans le fond avec un chevalier. Ok, des squelettes, il essaie de pré-shot le mineur. On va agresser côté droit. On va voir s'il aura le timing du colis, mais à mon avis il l'aura. Ouais, largement. Et le colis il aide beaucoup qu'on les sapeurs. Ok, on va trois bombes assez bas. Ok, l'artificier qui devrait activer la tour du roi, c'est pas mal pour nous. Parfait. Ah, oh, par contre, elle va remettre un coup sur la tour. Bon, c'est pas grave, on va voir s'il a un bâtiment. Il a plus son colis. Ok, bûche. Si on peut lui forcer colis sur gobelin. Non, malheureusement, il va pas le mettre, je pense. Ok, il défend pas. Il défend pas, il défend pas. Ok, s'il a séisme défensif, il prend cher. On va revenir avec les coups de mineur, il va devoir colis. Ok, parfait. Parfait, parfait, il va sûrement repartir sur le chat de cochon bientôt. Mais avec la tour du roi d'activer, même avec séisme, normalement ça se défend plus facilement, donc c'est beaucoup mieux. Ok. Part du fond. On va mettre maître mineur au pont, on va essayer d'aller chercher le chevaucheur de cochon. Artificière, on peut trois bons. Ok, les archères, il y en a une qui va être tankée par le mineur, près de les squelettes. Le chevaucheur de cochon qui est défendu facilement. L'archère, c'est pas défendu. Il n'y a plus d'élixir. Qu'est-ce qu'il fait? Oh bah il a give up. Bon, on se retrouve directement. Sur la prochaine game. Okay. On est parti dans cette deuxième game contre un asiatique a priori. Ok. On n'a pas vraiment de trucs agressifs. On peut commencer avec des archers split. On va pouvoir défendre le fiel squelette avec notre bûche. À un certain moment, j'aurais préféré défendre avec des gobelins, mais je me doute que c'est pas un double fût vu qu'il y en a très peu en ce moment, donc. Je peux me permettre d'utiliser ma bûche. Okay, on va partir assez agressif, on va tuer l'archère. Je vois pas du tout ce qu'il peut jouer. Non, je sais pas du tout ce qu'il peut jouer avec Gobelin Sarbacane plus Frostcut. Ok, il est oui, super agressif. On va être obligé de laisser taper les sapeurs. Ok. Je suis pas sûr que si on part de sapeur côté droit à notre tour, il a l'élixir pour les défendre. Non, il va archère comme ça et les sapeurs vont connecter. Ok. On va égaliser. C'est foreux sapeur avec un fieu squelette aussi. Qui a des caisses agressives. On va juste bûcher du côté gauche. On va mettre un mineur pour agresser. Ok, il a raté son armée de squelette. On va juste pouvoir aller défendre l'armée squelette avec des archers. Si on avait poison, on serait mis vraiment en retard d'élixir. Surtout s'il avait roi squelette. Ok, il a pas roi squelette pour récupérer les âmes. C'est intéressant. On va voir ce qu'il fait. On va laisser les archers se faire tuer. Ok, gobelin sarbacane. On va mettre quand même un coup d'archère. Ok, on va tour à bombe haut. Gobelin en défense. Oh, le gobelin sarbacane qui reste en vie. Ouais, je vais pas surdéfendre, on va laisser taper. C'était la tour la plus haute, c'est pas si grave de prendre quelques dégâts. On va essayer de pré-shot l'armée de squelette en attaque. Ok, la roi squelette, ça peut quand même connecter. Ouais, parfait, les deux sapeurs qui vont connecter, on va se mettre bien dans la game. On est un peu derrière en élixir, s'il active sa capacité, on va pouvoir archère au milieu. Parfait. On va laisser taper les squelettes qui sont sur le côté droit. On est plutôt bien dans la game, on a réussi à descendre sa tour à très bas. Ok, il va sûrement mettre un gros push là. On va partir mettre mineur dans le fond. On prépare notre tour à bombe au cas où il attaque du côté gauche. Ok, mineur pour gobelin sarbacane. Ok, il a pas gobelin sarbacane. On va juste mettre les gobelins plus une bûche. La tour à bombe à droite qui fait le taf. Ok, armée de squelettes, archer pour tuer les squelettes. On peut mineur avec.
Est-ce qu'il aura l'élixir pour défendre les sapeurs là? Ok, il va Forus défensif. C'est très bien joué de sa part. Mais on commence à prendre vraiment un gros avantage. Ok, on peut repartir avec une tour à bombe défensive. Oh, les archers, j'ai même pas vu les dégâts qu'ils ont remis après. Il a dû sacrifier un gobelin sarbacane pour pas perdre la tour. Ok, on peut mineur plus poison et on va pouvoir défendre avec une bûche. Parfait, on va remporter cette deuxième game. On se retrouve directement dans la troisième. Troisième game contre Legion Ace. On peut mineur directement. Voleux, ça peut être PK Bridge Spam. MK Sapper aussi. On va voir ce qu'il joue. Ok, mineur. Ouais, ça va être sûrement mineur Sapper. J'ai dû rajouter l'élixir vu qu'il avait bien placé son mineur derrière. Ok, on est devant. Mais on doit être loin derrière en élixir, ouais. Ok, prince. On va pouvoir défendre ça avec un maître mineur. Ok, il méga chevalier directement. On va pouvoir bûche plus tour à bon. Ok, rajoute les sapeurs. Ok, normalement ça va être défendu, il n'y a plus besoin de rajouter d'élixir. Voilà, la value du maître mineur c'est énorme. Il avait pas de zap dans son deck à mon avis. Ok. Mineur plus sapeur. Ok, il a flèche. Ok. On veut défendre les archers avec des archers. Après, s'il a plus ses flèches, il vaut mieux garder les archers. On va défendre ça avec des gobelins. Ah, celle de gauche va passer le pont. On va devoir ajouter la bûche. Ok. Il repart du fond. On peut cycler nos archers. Si jamais il met rien, on va juste mettre un mineur. Ok, sapeur split. Ok, on va mettre un coup sur la tour, c'est pas si grave. Ok, mineur, on peut gobelin, tour à bombe. On va rajouter les archers. J'espère il a pas ses flèches. Ok, la flèche mais assez tard. Ça va. On va prendre peut-être un coup de phénix. On va prendre la dégâts de la bombe. Un peu mineur sapeur, je sais pas s'il a l'élixir pour méga chevalier. S'il a l'élixir pour méga chevalier. Ok, on va pouvoir mettre mineur. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus bas. Ok, archer, on va poison les archers et gobelin pourrait tuer rapidement le méga chevalier. Ok, phénix. On peut archer split, il veut peut-être les flèches. Non. Mineur plus sapeur pour lui forcer ses flèches. Ok, tour à bombe plus gobelin, ça devrait faire l'affaire. Il a pas les XR pour méga chevalier, je pense. Ok, on peut les poison les archers pour aller cycler et gratter un peu. Ok, méga chevalier, on peut mineur plus sapeur. Je sais pas s'il a flèche en cycle. Voleuse, ça va pas défendre, ça va mettre les deux coups de sapeur. Ok, nickel. Bon, on est vraiment bien. Par contre, on est vraiment en retard d'élixir. Ça va être chaud à défendre ça. Ouah, tour à bon. Ouah, gobelin haut. Ok, maître mineur. Poison défensif, on est obligé. Les sapeurs. On va prendre les dégâts des sapeurs. On va être obligé de rajouter un mineur défensif pour la voleuse. Ça fait mal. Ouah, il est revenu directement. Ouah. On avait une belle avance, mais il a super bien joué là. Oh, ouais, non, il a l'élixir pour méga chevalier. Ok, tour à bombe. On va archer sur le phénix. Ok, maître mineur pour défoncer plus rapidement. Ok, flèche. Oh, ça va être chaud. Bûche pour tuer les sapeurs. Ok. On est obligé de mettre les sapeurs, nos sapeurs pour défendre son phénix. On est obligé de sacrifier les archers là pour la voleuse. S'il a l'élixir pour repartir méga chevalier devant son prince, ça va être vraiment très très chaud. Wouah, ok. Faut essayer de pré-shot le mineur derrière. Ah, il l'a pas mis. Ok, poison défensif, obligé. Les archers pour aller tuer rapidement le mineur. Ok, il a raté, il a pas eu les archers avec ses flèches. On peut partir mineur sapeur. Pré-shot bûche, est-ce qu'il a l'élixir pour méga chevalier? Ouais, il a l'élex. Voilà, là je pense pas qu'on puisse défendre son prochain push. Faut essayer de mineur plus poison.
On n'a pas l'élixir pour les sapeurs, on va essayer de bûcher pour les reculer. Le mineur, les flèches, le mineur. Non. 10 HP, ok. Ok, on est parti dans cette dernière game. Ok, on va commencer par un mineur. Puis le gobelin, on va juste mettre un mineur dessus. Puis le gobelin, géant squelette. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va défendre avec des archers, on va accompagner maître mineur avec des sapeurs. Il a une arme squelette, on va mettre notre capacité, bon, les sapeurs vont pas passer. Par contre, deux pauvres archers qui défendent un géant squelette presque full HP, c'est quand même incroyable ça. Ah, il a un GR. Ok, on va tout rabond. GR, géant squelette, mais avec... Bon, il a flèche aussi. Bon, on va rajouter Archer dernière seconde, mais on va prendre super cher sur ce GR. GR, géant squelette, fuit à gobelin. Flèche. Ok, il est obligé de sacrifier un fuit à gobelin, c'est pas mal pour nous, ça. En soi, il a pas grand-chose pour maître mineur. Il a pas l'air d'avoir de pêcheurs ou... Je sais pas, de sapis. On peut juste mettre maître mineur sapeur et prêcher de la bûche sur l'armée squelette. Oh non, il a des zappies et un chasseur. Ok, il y en a un qui connecte. Il y a toujours un qui connecte. Par contre, c'est mis grave en retard d'élixir. Ok. On va devoir split les gobelins pour défendre ça. Faut pas que le chasseur tape sur la tour. Ah, si fuit à gobelins, on a même plus le sigle là. On a plus rien pour défendre un fuit à gobelins. Ok, on va retirer mineur fond de map. Ok, on peut aller poison ça. Rajouter les archers pour aller dépop ça rapidement. La bûche, est-ce qu'il l'a mis un peu derrière? Non, on va quand même aller tuer ça tranquillement. On va devoir rajouter les gobelins pour défendre. On peut repartir en mineur sapeur. Réchaud poison. Oh non, il a chasseur. Voilà, ça va être chaud la défense. Ok. Est-ce qu'il veut mettre un double push avec son géant squelette, peut-être? Ok, GR, explique les zappies, ouais, ça. Archer à gauche, il va peut-être les flèches. Si les flèches, on rajoutera les gobelins. Ok. Ok, mineur défensif. Ça va équilibrer les tours. Le géant squelette qui s'est à peu près fait défendre à droite. Puis il a l'élixir pour GR. Est-ce qu'il a l'élixir pour... flèche? Ok. J'ai attendu pour mettre mes gobelins qui a 8 flèches. Ok, on peut aller poison ça, faut aller gratter de toute façon. Il repart en géant squelette. Ok. On va repartir bas avec un maître mineur pour pas donner de value aux zappies. On va aller bûche tout ça. On va mettre la pression pour pas qu'il fuit à gobelins et qu'on recycle directement sur notre bûche. Ok, tour à bombe. Là, je pense qu'il va fuir à gobelins en pensant qu'on a plus notre bûche. Ok, bûche, c'est parfait. Pour les cycles de malade qu'on a. Son deck est what the fuck, mais je pense qu'on a un très bon match-up. Hein. Ok. Faut juste faire gaffe parce qu'en un push, il peut nous défoncer. Hein. Ok, un peu mineur. On va pouvoir poison peut-être, ça dépend ce qu'il met. Non, chasseur, on va d'abord défendre. On peut aller cycler un poison. Ouais. Ok, on va gobelin assez bas pour pas que le bombeur la touche. Maître mineur, tour à bombe au milieu. Ah, je peux pas, il y a la bombe, j'ai un squelette. Ok, j'ai la mettre là. Ok, j'ai raté ma tour à bombe du coup. Bûche. On arrive à pouvoir mettre tuer gobelin après chaque flèche. Ok, les gobelins. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, mineur, poison. Ok, il l'a pas eu. Ouais, non, faut pas qu'on utilise notre bûche. Ok, tour à bombe. Le mineur, le poison. Ok, let's go. On va finir cette vidéo du coup, top 736 monde. Je vous tiens au courant sur mes différents réseaux pour cette fin de saison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous liker et vous abonner. Moi, je vous dis à une prochaine. Bye!